Serre ses armures. Ok, on va tester ça alors. Ah. On va recommencer. Passer. Ah, ils se déplacent trop vite. Ah merde, qu'est-ce qu'il branle. Non, je vais juste attendre ça qu'il fasse les... Ah. Leur tête en fait. C'est quoi, c'est légal anus le mec? Ça dure le truc. Du coup, ça s'est bien passé, normal. Sauvegarde. On va aller voir. Ouais, mais bon, là, je... Heureusement que j'avais les bons critiques, quoi. Oh, il est pas mort. C'est Vince. Et qu'est-ce que je dois faire là dans la quête? Chargé du général Oliver et de la reine. Merde, quelque chose me dit que c'est pas du tout par là. Quelque chose me dit que j'étais vu. Ça fait zéro dégâts dans la tête. Peut-être parce que je n'ai plus de psycho. Merde, je suis un connard. Aller repartir. Ah.
Ah, c'est la RNC là. César crucifié, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un faire aussi bien que vous aujourd'hui. Vraiment très longtemps. Et le hurlement de ces légionnaires fuyant vers l'est. On aurait dit un cœur céleste. À ce propos, ce son et lumière au fort, c'était le doigt de Dieu que vous aviez invoqué? Incroyable. Vraiment incroyable. Si j'avais une centaine d'hommes comme vous à envoyer dans l'est, je ne donnerais pas cher de ces emplumés. Vegas? Quoi, les familles? Ou bien House? C'est de House que vous voulez parler. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça m'étonnerait qu'on soit tous là pour chanter autour d'un feu de camp. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que c'est? La zone de libre-échange de New Vegas. Putain, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attendez, ça y est. Demande le retrait immédiat de la RNC. Retrait? Putain de merde. Comme si on allait se retirer. On vient de prendre le barrage, on va pas l'abandonner maintenant. Votre article? Je me torcherai même pas avec. Si vous pensez qu'après tout ce qui s'est passé, je vais baisser mon froc comme un légionnaire. Vous savez que je ne livrerai pas le barrage et sûrement pas au fantôme de Vegas et à son bras droit de la semaine. Va se battre. On tient cet endroit depuis des années. On a flanqué une telle raclée à un légat que César en a fait du charbon. On s'est battu ici. Et je vais me battre à nouveau. Si vous voulez. Par contre, faut pas qu'il me bute, quoi. J'espère que vous avez un tas de bonnes raisons sous le coude. Ah, je suis fort en discours. Oh putain, faut 100 encore. Je crois que vous savez que mes chances sont plutôt bonnes. Comme je l'ai dit, je ne quitterai pas le barrage. Maintenant que la Légion a été défaite. Ouais, mais sauf que moi, je suis dans la merde. Putain, ça va être tellement le bordel que je lag à mort. C'est bon. La solution, la fuite. Alors Boone, ça va? Il est toujours en forme lui, hein. Il s'en est pris des balles, mais il est là où? Vous savez, j'ai dirigé des milliers d'employés. Rares sont ceux qui ont répondu à mes attentes. Quant à les surpasser, vos prouesses ont été réellement spectaculaires. Si j'ai de nouveau besoin d'un ou d'une spécialiste de votre rang, je saurai à qui m'adresser. Rentrons à Vegas, voulez-vous? Il va falloir que je m'occupe de ce monorail, avec tous les nouveaux moyens disponibles. Non seulement il marchera de nouveau, mais il sera à l'heure. J'ai toujours été agacé par le manque de ponctualité. Inutile de vous inquiéter pour l'accident du général. Il lui épargnera la honte de la défaite de son pays. Le président Kimball souhaitera peut-être venger son ami. Mais il ne restera pas en poste assez longtemps pour tenter quoi que ce soit. Les revenus de Vegas risquent de diminuer pendant quelques mois. Mais les touristes et leur argent ne tarderont pas à revenir. Vegas deviendra le joyau du désert, une oasis de lumière, un phare montrant à l'humanité le chemin des étoiles. Nous n'en sommes qu'au début, voyez-vous. Tout commence ici et maintenant. Ben c'est bien finalement. Et le courrier, qui avait échappé à la mort à Good Springs, en réchappa encore. Et les terres dévastées de Morave en furent transformées à jamais. L'armée de sécuritron de M. House prit le contrôle du barrage Hoover et du Strip, repoussant la Légion et la RNC aux abois hors de New Vegas. L'emprise de M. House sur New Vegas restait inchangée. Vision despotique d'une gloire d'avant-guerre. La rue était propre, efficace, froide. Voilà, c'est une bonne nouvelle du coup. New Vegas était toujours le seul endroit du désert où des fortunes se faisaient et se défaisaient en un instant. Le courrier
juste et bienveillant à l'égard des habitants des terres dévastées, s'assurer que M. House préserve stabilité et sécurité à New Vegas. M. House lui permit de disposer des richesses du Lucky 38, signe de sa gratitude, d'une certaine fierté d'avoir choisi les bons lieutenants. Bah, tout se finit bien, finalement. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'égard des boomers, qui finirent par s'aventurer hors de Nélis pour commercer avec les voyageurs. Enfoui sous des tonnes de décombres, le chapitre du Morave de la Confrérie de l'Acier avait cessé d'exister. Les rares membres qui étaient hors du bunker de Hidden Valley changèrent de vie, ou partirent vers l'ouest pour rejoindre un autre chapitre. Les Tox lancèrent une attaque contre le camp McCarran pendant la deuxième bataille du barrage Hoover. Pendant la retraite de la RNC, les Tox débordèrent les soldats, avant que les sécuritrons de M. House s'occupent d'eux. Après avoir pris le contrôle de New Vegas, M. House envoya un sécuritron à Good Springs pour remercier la ville d'avoir aidé le courrier. Mais ce fut un cadeau intéressé, car Victor surveillait en permanence la ville pour le compte de M. House. Enivré par sa victoire, M. House envoie des sécuritrons à Freeside, espérant asseoir son autorité sur la région. Lorsque le conflit éclate, les Kings se battent avec courage, mais tombent bientôt jusqu'au dernier devant les machines. Oh, c'est chiant, ils étaient sympas, les Kings. Novak n'était pas une cible prioritaire de la Légion, mais nombre de ses habitants périrent en tentant de défendre la ville. Les touristes aussi. Au cours des semaines qui suivirent, des acolytes de Bright vinrent en renforcer les défenses, ce qui lui permit de demeurer indépendant de la RNC. Abattu par la perte du barrage, la RNC fut incapable d'affecter des troupes à la reprise de la prison. Les caravanes traversant le Morave eurent à souffrir pendant de nombreuses années des raids des poudriers. Armés d'explosifs de fortune et d'armes volées, les poudriers de l'abri 19 mirent à feu et à sang les terres dévastées pendant des années. Leur cible favorite était les ressortissants de la RNC, auxquels ils réservaient la fin la plus atroce possible. Après la bataille du barrage Hoover, le shérif Meyers dirige à prime selon sa propre idée de la justice. Ouais, c'est le mec qu'on a été chercher, lui. Avec la plupart des gens, mais de temps en temps, on retrouvait un mort, sans preuve. Et ainsi s'acheva le voyage du courrier, pour l'instant. Dans le nouveau monde des terres dévastées, la lutte continua. Le sang coula, les générations se succédèrent, comme dans l'ancien monde. Car la guerre a toujours le même visage. Enfin.